Les hommages se sont multipliés en France après la mort de Danielle Mitterrand. L'ancienne première dame et veuve du seul président socialiste de la Ve République s'est éteinte ce mardi à Paris à l'âge de 87 ans. Militante de gauche jusqu'au bout des ongles, elle a défendu de grandes causes, quitte à gêner François Mitterrand pendant ses septennats. Ce fut le cas lorsqu'elle reçut le Dalai Lama en 1989 au Grand Dam de la Chine. « Je ne suis pas une potiche », avait prévenu l'épouse du président, dont l'attitude a tranché avec celle des précédentes premières dames. Danielle Mitterrand a soutenu le soulèvement des apatistes au Mexique, a aidé la communauté tzigane, défendu la cause des Kurdes. Celle qui fut l'une des plus jeunes médaillées de la résistance après la Deuxième Guerre mondiale avait créé une fondation, France Liberté. Des journalistes révéleront qu'elle et son mari, séducteur et père d'une fille née hors mariage, avaient convenu dès les années 60 de vivre leur vie chacun de leur côté tout en préservant leur couple social.